Bonjour tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. On attaque la dernière partie de présentation de l'extension Deluxe Donné et Destiné en VF. Destiné et Donné même, c'est pareil. Donc vous avez vu la vidéo Corpo, vous avez vu les deux précédentes vidéos Runner sur Apex et Adam. Et on attaque le dernier Runner spécial qui est Sunny Lebeau. Alors Sunny Lebeau, donc vous voyez sur la caméra déportée. C'est un runner avec deux links, ça c'est formidable, c'est une spécialiste en sécurité. Donc les deux links déjà, pas besoin de vous faire un topo super détaillé. Quand il y aura des tracks, bah, ça sera beaucoup plus difficile à vous localiser. Et surtout, vous allez pouvoir utiliser tous les programmes cloud de base sans avoir besoin de jouer de ressources ou de hardware vous donnant du link. De base, tous vos programmes cloud CTRL-02MU, c'est fantastique. Et vous pouvez obligatoirement et évidemment jouer, je ne sais plus comment s'appelle la carte, Underworld Contact. Voilà, c'est la carte qui vous donne un crédit au début du tour sans rien faire si vous avez deux links. Donc cette carte-là, vous pouvez la jouer d'office. Si vous jouez que des programmes link, et on verra qu'elle a des très bons programmes link, il y a de fortes chances que vos EMU soient quasiment inutilisés. Du coup, vous pouvez jouer pareil la ressource qui vous donne un crédit début de tour, si vous avez au moins 2 de MU de libre. Donc c'est une runneuse qui va avoir beaucoup d'argent, beaucoup de temps libre, puisqu'elle n'aura pas besoin de cliquer pour obtenir son argent. C'est vraiment une runneuse, moi, qui me plaît énormément. Alors par contre, voilà, c'est 50 cartes dans le deck, 25 points d'influence. Donc va falloir, comme tous les autres runneurs spéciaux, piocher dans les zones factions. J'ai pas encore essayé de construire avec, mais parmi les nouveaux runners de cette Deluxe, je pense que c'est vraiment celle-ci, moi, qui m'attire le plus. Elle est vraiment terrible. Et vous allez voir qu'elle a des très bonnes cartes à l'intérieur. Bon, on va attaquer d'ailleurs, hop, avec la première carte. C'est Puce de Sécurité. Alors, ça coûte 0 à poser, c'est un matériel. On peut l'utiliser en la trashant. Et ça dit qu'on va choisir un programme brise-glace, ou n'importe quel nombre de programmes brise-glace brouilleur, donc c'est les clouds. Chaque brise-glace choisi gagne plus 1 en force pour chaque link que vous avez pour le reste du piratage. Et on ne peut utiliser cette capacité que pendant un piratage. Donc en gros, vous trachez cette carte-là, vous donnez plus X force à un icebreaker où X est égal à votre link. Donc déjà, 2 de base dans Sunny, mais vous pouvez continuer à augmenter votre link et en avoir 3, 4, 5, 6 et donner autant de force à un icebreaker, c'est génial. Mais si en plus vous avez des icebreakers cloud, vous pouvez cibler tous vos icebreakers cloud. Donc vous allez runner pour pas grand chose en fait. C'est, je trouve, très bien. En construit, c'est mortel. En scellé, c'est pas trop mal non plus. Pour l'avoir testé, j'en ai été vraiment très content. Graphiquement, vous allez vous foutre de moi. Mais je trouve l'élu pas mal, et il y a un petit côté premier Netrunner, le petit côté un peu ancien, rétro. Je trouve ça je trouve ça vraiment sympa. Hop, on va passer à la carte d'après, c'est Nexus de Sécurité. Hop, graphiquement, je trouve ça sympa. C'est une console à 8, c'est très cher. Vous allez comprendre pourquoi. Ça donne un ému, un de link. Donc, si vous le jouez dans Sunny, il y a de fortes chances que vous jouiez dans Sunny, vous allez passer à 3 de link. C'est vraiment pas négligeable du tout. L'effet de Nexus de sécu, c'est une fois par tour, lorsqu'on rencontre une glace, on peut obliger la corpo à déclencher une traque de portée 5. Donc vous rencontrez une glace, la corpo déclenche une traque 5. Si la traque est réussie, on se prend un tag et on arrête le piratage. Par contre, si la trace échoue, le runner ignore la première glace rencontrée. En gros, c'est un inside job perpétuel qui fonctionne avec de la trace, en gros. Donc, l'air de rien, c'est très fort. Pourquoi ? Bah, en gros, dans Sunny Lebeau, ça dit que tous les serveurs à une ice sont poreux à souhait. La corpo va être obligée de double coucher ses serveurs, de double icer, pardon, ses serveurs avec une double couche d'ice, voilà. Naturellement, vous allez pouvoir jouer des inside job, vous allez pouvoir jouer la nouvelle carte Anar qui permet d'émuler un petit peu inside job. Enfin voilà, il y a vraiment des trucs assez monstrueux à faire, je trouve, avec cette carte là. Donc certes, ça coûte cher, certes, c'est aussi dépendant de la corpo qui va déclencher quand même une track 5,
Donc il faut avoir un link quand même très conséquent pour pouvoir ne serait-ce que égaler. Mais voilà, peut-être que je me trompe et que c'est une mauvaise carte, mais je pense qu'il y a un truc à faire. Et je trouve ça, au niveau du concept, je trouve ça assez sympa. La carte d'après, hop, c'est le premier brise-glace cloud brouilleur de Sony. Ça s'appelle Percuteur GS-M1. C'est le décrypteur, donc c'est celui qui neutralise les code gates, les verrous. Ça coûte 4 à installer, 1 de MU, mais si on en a 2, le MU est réduit à 0. Hein, c'est un programme brouilleur traditionnel. Il a 1 de force. Pour 2, on lui donne plus 3 de force, donc c'est quand même pas trop mal. Et pour 2, on va neutraliser n'importe quel nombre de routines verrous. C'est très bien. Je vous conseille le site Snakedoor Zeta si vous voulez comparer les icebreakers en fonction des ice entre eux. Vous avez un tableau croisé avec ice versus icebreaker et vous avez dans le croisement le coût que va devoir payer le runner pour breaker. Donc ça permet de comparer les icebreakers entre eux, c'est pas mal. J'avais comparé les trois à l'époque où ils avaient été révélés et il me semble que c'est vraiment des très très bons breakers. Hein. Donc ça c'était le décrypteur. Hop, on va passer au tueur, donc le brise-glace sentinelle. Ça s'appelle Griech GS-M2, 5 à poser, 1 MU, mais c'est un cloud, donc la MU est réduite à 0 si vous avez 2 de link, comme d'habitude. Il a lui aussi un force, pour 2 il se booste de 3, et pour 2 on va tout neutraliser. Donc le même que le verrou, mais en version sentinelle, pareil, c'est très très fort. Et vous vous doutez bien, hop, qu'il y a la dernière pour la route, c'est Sherman GS-M3. C'est le fragmenteur qui break donc les barrières. 1 de force, 6 boosts de plus 3 de force pour 2. Il break toutes les routines barrières pour 2. 3 à poser, 1 MU qui est réduit à 0 si vous avez 2 links. C'est un brouilleur traditionnel comme les autres. Bah c'est très bien, moi j'adore ce cycle. C'est super thématique. Et voilà, enfin c'est très bien. La carte d'après, hop! C'est une ressource virtuelle, ça s'appelle Accréditation Global Sec. Je sais pas, on voit quelqu'un sur l'ILU, je sais pas si c'est pas Oracle May, mais je sais pas. Ça coûte 2 à poser, on ne peut le poser que si on a 2 de link, donc dans Sony, il n'y a aucun problème. Et ça dit qu'au début de son tour, on peut perdre un clic pour regarder la première carte du R&D. Ça, c'est exceptionnel comme carte. Aussi bien en construit qu'en scellé, voire même peut-être plus en scellé d'ailleurs. C'est une réédition d'une vieille carte du CCG qui s'appelait Confidence sur l'oreiller, Technician Lover, avec un wording un peu différent. Je préfère la nouvelle d'ailleurs, elle est beaucoup mieux équilibrée. Voilà, très 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 bonne carte. Ça va permettre de venir runner au bon moment sur R&D que quand il y a un agenda. Vous pouvez jouer... Power to the People par exemple, ou enfin je sais plus comment elle s'appelait, la carte Anar qui dit que vous gagnez 7 crédits quand vous accédez à un agenda ce tour-ci. Donc voilà, ça permet de rentabiliser des cartes qui étaient peu jouées. Bah, je trouve ça très bien, vraiment très très bonne carte. On passe à la carte d'après, hop, c'est Jack Sinclair, c'est une ressource relation qui coûte 3. On réduit le coût d'installation de Jack pour chaque link qu'on a. Donc dans Sony ça coûtera 1, si vous avez la console ça coûtera 0. Au début de votre tour, on peut lancer un piratage sans dépenser de clic, vous renez gratos, et on ne peut pas utiliser de programme pendant ce piratage. Je vous avoue que j'ai un peu du mal à saisir en quoi cette carte est intéressante. Alors évidemment, ça va servir avec des cartes comme Desperado, vous allez gagner un crédit gratos. Vous pouvez renez les archives gratos avec Security Testing par exemple. Ça peut permettre d'avoir un run sur un central server gratos pour jouer Notoriety ou Apocalypse derrière. Voilà, il y a quelques petites pistes d'utilisation, c'est pas forcément évident à utiliser. C'est sympa, ça me rappelle pareil une carte du CCG, Wilson, c'était un petit peu wordé pareil. Donc voilà, la carte d'après, hop, je vais essayer de remettre ça correctement, voilà. Elle est assez sympathique, je trouve, au niveau de l'ILU. C'est un événement actuel, c'est une currente, qui coûte 1 à jouer. Ça s'appelle Grève du personnel. Ça a 1 d'influx. Et ça neutralise le game text de l'identité corpo. Donc ça, c'est pas mal. On avait déjà la version runner, avec le runner qui était lobotomisé, assis sur sa chaise.
Et là, bah voilà, c'est la version corpo. Donc si vous jouez face à une corpo qui est vraiment super embêtante, RP notamment, PE ou ce genre de choses, Personal Evolution, pardon, et RP c'est Replicating Perfection, voilà, ça permet de d'annuler les corpos qui sont embêtantes, c'est plutôt cool. La carte d'après, hop, ça s'appelle Aubaine. C'est un événement qui coûte 0 à jouer. Quand on la joue, on ménage notre pile, on efface la première carte de notre pile et on gagne X crédits où X est égal au coût d'installation de cette carte. Donc bah voilà, c'est du random, on va pas contrôler ce qu'on fait derrière, ça marche pas avec motivation parce qu'on est obligé de mélanger le deck avant. C'est pas super, même en scellé, c'est pas super. Alors en construit, peut-être plus en construit d'ailleurs, c'est peut-être mieux en construit, oui. D'ailleurs, je m'aperçois que le wording de cette carte en français, c'est coût d'installation. Ce qui veut dire que si c'est un event qu'on trash, un événement, ça marchera sûrement pas. Il faut vérifier le texte d'origine. Bon, en tout cas, c'est pas une carte que j'affectionne particulièrement, mais bon voilà. C'est une des seules dans Sunny Lebo vraiment qui me tente pas. Et la dernière carte de la petite Sunny, c'est Rédacteur technique, ça c'est très très bien, c'est une ressource pour zéro, toujours bien. À chaque fois qu'on installe un matériel ou un programme, on va placer un crédit de la banque sur le rédacteur technique. Pour une action, on va pouvoir le tracher et gagner tous les crédits qu'il a sur lui. Bah, c'est très bien. Plus en construit qu'en scellé, mais pour l'avoir joué en scellé dernièrement, c'est aussi très 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 fort, hein. Bon, ça va pas vous faire gagner des milliards non plus, mais même si vous gagnez 3-4 crédits, ça vous a coûté 0 en une action, c'est très très bien. Donc voilà, bah, pour les cartes de la petite Sunny, donc sans compter son identité, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes. Elle en a un petit peu plus que les autres. Personnellement, c'est vraiment mon coup de cœur runner de cette boîte, bien que j'adore la thématique d'Adam et d'Apex. Apex m'a l'air vraiment très dur à jouer parce que, enfin voilà, vous allez vous manger toutes les subroutines dans la tronche. Donc après, vous allez splasher d'autres Icebreakers évidemment, mais voilà. Et puis Adam, pareil, j'adore la thématique. Adam a aussi quand même des bonnes cartes. Je pense qu'il y a un truc à faire. Mais voilà, mon coup de cœur, c'est vraiment Sunny Lobo pour les runners. Et bien sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. C'est une vidéo en 4 parties pour présenter, je le rappelle, Destinée et Donnée, la dernière extension de luxe pour Android Netrunner. Donc ça sera peut-être la dernière boîte de luxe étant donné qu'on a fait le tour, bah, de toutes les factions. Il y a même des mini-factions runner. Donc voilà, je ne mettrai pas non plus ma main à couper pour vous dire c'est la dernière de luxe d'Android Netrunner. On verra bien. Moi j'aimerais bien qu'ils nous fassent une version multijoueur. Il y avait une variante qui existait où il y avait un runner qui était enfermé dans un serveur d'une corporation et le runner était un CISOP finalement qui travaillait pour la corporation. Le runner pouvait voler des projets qui étaient cumulés avec ceux de la corporation et l'équipe gagnait ou l'équipe perdait ensemble. Donc voilà, est-ce qu'ils vont faire une variante multijoueur? Est-ce qu'ils vont faire une alliance de runners contre une corpo géante? Est-ce qu'ils vont faire plusieurs corpos contre un runner extrêmement puissant? Voilà. Il y a plusieurs pistes. Netrunner, c'est vraiment un jeu de duel. Et le côté asymétrique du jeu le rend, à mon avis, difficilement transposable en multijoueur. Mais voilà, ça serait quand même bien, moi, je trouve, qu'ils sortent une Deluxe là-dessus. On verra bien. Mais sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette série de vidéos. Et puis, je vous dis à très bientôt. Sans doute avec le premier pack du cycle Moonbad. Salut!